Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne FE Technico. Dans cette vidéo, on va voir une présentation du sonomètre de la marque Parkside. Donc, physiquement, c'est ça. Donc, c'est un appareil qui va mesurer l'ambiance sonore et le bruit. Donc, vous avez une plage de mesure qui va de 30 à 130 décibels et une fréquence de 31,5 à 8000 Hz. Donc, le petit sonomètre est vendu dans une petite boîte. Il est vendu avec 3 piles. Et une notice technique, une notice qui explique un peu ce qui fait l'appareil. Donc on va voir la présentation. Donc là vous avez le microphone avec un petit bonnet là, pour protéger. Donc là vous avez une languette que vous devez retirer. Derrière vous avez le compartiment pour les piles. Donc on va faire le tour un peu de l'appareil. Donc là vous avez un bouton pour l'allumer, vous restez appuyé une seconde. Donc il s'allume, vous restez appuyé 2 secondes et il s'éteint. Ensuite là vous avez un bouton hold qui va permettre de figer la valeur mesurée. Donc quand vous appuyez, hop, il y a hold qui s'affiche. Je ne sais pas si on arrive à le capter à la caméra, voilà. Ensuite, si vous restez appuyé pendant 2 secondes, vous avez une lumière qui s'allume. Vous restez appuyé 2 secondes, elle s'éteint. Là, vous avez un bouton pour la mesure max et min. Et là, vous avez fast et slow, donc une réaction rapide, fast et lente pour slow. Donc, quand je vais désactiver le hold, voilà. Donc là, je vais arrêter de parler pendant quelques secondes. Vous allez voir qu'on est déjà à 30. Donc, on a dit que ça va de 30 à 130 décibels. Donc là, déjà, on est à 30. Et dès que je parle, ben, on fluctue entre 60 et 80 décibels. Donc là, on va faire nos tests. Donc là, j'ai un détecteur de fumée. Voilà, je vais appuyer dessus. On voit que le détecteur, là, déjà, on a plus de 100 décibels. Donc on n'est pas loin des 130 déjà. Maintenant, du coup, je vais le faire sur un mixeur. Donc là, en position 1 et 2, je vais le faire à vide. Donc ça fait un peu de bruit, donc je vais arrêter de parler. Donc à la vitesse 1. Donc là, j'ai figé la valeur, donc on est à 101,2. Voilà. Sachant que le seuil de risque est à 80 décibels pour une journée. Hein, donc, si vous travaillez, vous faites beaucoup de cuisine, bien protéger les oreilles. Donc, maintenant, du coup, on va faire avec l'aspirateur. Donc, là, j'ai un petit aspirateur, mini aspirateur Parkside. Donc, pas Parkside, mais Silvercrest. Donc, c'est la marque Lidl. Dans une précédente vidéo, j'ai fait la présentation. Donc, là, sur le carton, on voit qu'il y a marqué niveau de puissance sonore à peu près 75 décibels. Donc on va faire une mesure, on va voir si ça correspond. Je vais défiger mon sonomètre et je vais allumer l'aspirateur. Donc là, j'ai figé ma mesure, donc on a 90,7 décibels. Donc on a dit dans le carton qu'il y avait à peu près 75. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire à peu près. Par contre, si on prend la dot technique, là on voit que selon les fréquences, la tolérance elle est de plus ou moins 3 décibels. Donc je ne sais pas c'est quoi la fréquence de l'aspirateur, mais bon, vous avez une tolérance. Donc, qui va de 1,5 décibels à 3 décibels. Mais bon, ça reste quand même, admettons que c'est 3 décibels. Là, on a 90. Ah, quand même, la différence, elle est un peu énorme. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas d'autres sonomètres dans le futur. Si j'achète un autre sonomètre d'une autre marque, on fera la comparaison. Et voilà. Donc. Bon, après, là, c'est plus pour le fonctionnement. Ce qu'il faudrait aussi, c'est avoir une ambiance un peu plus forte pour savoir ce que ça fait. En fait, si ça dépasse les 100, 130 décibels,
vous allez avoir over qui va s'écrire ici en fait. Vous n'aurez pas de mesure, mais over. Et là, comme on a vu aussi, on n'a pas parlé de ça. Je vais défiger. Là, quand je parle, vous voyez qu'il y a un petit graphique en fait. Plus je parle fort, plus ça va varier ici. Donc voilà pour le sonomètre, hein, la présentation. C'est un appareil qui est assez léger, donc est compact. Et voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.